Dieu vous bénisse, mes amis. Dieu vous bénisse. Et que la lumière de Dieu soit avec vous, là où vous vous trouvez en cet instant. La Bible parle ici dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6. Dans le verset 18, la Bible dit comme ça. Le cœur qui médite des projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal. Je disais vendredi passé au peuple qu'il y a des personnes qui ne savent pas le pourquoi elles sont pressées pour courir vers le mal. La personne, sans qu'elle veuille, elle a trouvé quelqu'un qui a fait une mauvaise affaire. Quelqu'un l'a conseillé à aller voir des personnes qui ont détruit sa famille, qui ont détruit son couple. Des personnes qui ne savent pas le pourquoi de la misère, le pourquoi de la pauvreté, le pourquoi sa vie est tellement dure, tellement difficile. La Bible parle, le pied qui se hâte de courir vers le mal. Il y a des personnes qui sont pressées, je vais répéter, elles ne veulent pas, parce qu'une personne, ne veut pas aller vers le mal. Mais il y a des personnes qui sont poussées à aller, à marcher avec des personnes qui plus tard aura des problèmes. Il y a des personnes qui, toutes les personnes qu'elle trouve, ce sont des personnes parfois mariées. Elle n'arrive pas à trouver quelqu'un célibataire comme lui, comme elle, qu'elle va lutter pour pouvoir construire sa vie. Parfois, les personnes qu'elle connaît, ce sont des personnes mariées, des personnes qui, elle va détruire sa vie, et elle aussi va détruire la vie de la personne qui est déjà en compromis, qui est déjà une famille. On dirait que les pieds de cette personne les conduit toujours vers le problème, vers une vie d'échec, une vie qui ne marche pas. On dirait que les pieds de cette personne les conduit toujours, excusez-moi de vous dire, vers le malheur. Elle donne parfois un pas devant et on dirait que leur pied le conduit toujours vers l'échec, vers le problème. Si elle trouve quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant avec son commerce, avec ses affaires, d'ici à quelque temps, elle est trompée. D'ici à quelque temps, la personne va le tromper et elle est obligée à fermer, elle est obligée à terminer avec cette affaire, elle est obligée à fermer son magasin, elle est obligée alors de recommencer à zéro sa vie. Mais la Bible parle qu'il y a le pied qui se hâte à courir vers le mal. La personne qui elle ne sait pas le pourquoi de cette mauvaise décision, elle ne sait pas le pourquoi d'une vie d'échec. Mais aujourd'hui, vendredi, au centre d'accueil universel, nous aurons cette réunion toute spéciale que je sais qu'elle bénira votre vie. Alors, saisissez l'opportunité que Dieu vous donne. Venez participer à cette réunion. Je sais que ce malheur, ce problème, on dirait que la personne est liée à quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant. On dirait qu'elle est liée toujours à la négativité, mais par le pouvoir qu'il existe, au nom du Seigneur, ce mal sera brisé. Nous vous invitons à venir aujourd'hui à participer de cette réunion, que moi je sais qu'elle bénira votre vie. Nous allons accompagner le témoignage, et ce témoignage, ele va vous parler aussi. Ce que je n'arrive pas à parler, le témoignage de cette dame, il va vous parler. Avant ce témoignage,
Est-ce que vous connaissez déjà la radio Positive Dome? La radio Positive Dome, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre portable et vous pouvez écouter une radio qui est connectée avec la foi 24 sur 24. Vous allez voir les spots de la radio Positive Dome et tout de suite après, vous allez accompagner le témoignage qui bénira votre vie. Connaissez-vous la radio Positive Dome? Bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio Positive Dome. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sur la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours, 24 heures sur 24, pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio Positive Dome. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors, connectez-vous sur notre site www.radiopositivedome.fr. Radio Positive Dome, la radio qui vous réanime. De plus, bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, Pasteur Andremen. Madame Andremen. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, avec quels symptômes spirituels êtes-vous arrivé? Quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, je suis arrivé ici, j'étais très triste, colérique, j'étais une personne nerveuse et que je n'écoutais rien du tout et que je faisais ce que je voulais. C'est comme ça que je suis arrivé. Et ces choses-là que vous aviez en vous, c'était dû à quoi? Il y a eu des problèmes, il y a eu une souffrance? Oui, c'est dû à un inceste que j'ai subi pendant mon enfance. Ça veut dire que tous ces problèmes spirituels ont commencé dès que vous étiez encore... Oui, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans? Oui. Et vous avez gardé tout ça en vous pendant des années pendant et des années? Pendant des années, 35 ans. 35 ans? J'en ai parlé avec personne. Ok. Et le jour où vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, vous avez commencé à faire les chaînes de prière de vendredi. Oui. C'est ça? Tous les vendredis, j'étais là parce que je savais très bien que quelque chose n'allait pas en moi et qu'il fallait changer ça parce que les gens ne me supportaient pas et moi-même, je ne me supportais pas non plus. Ok. Excusez-moi de vous demander, vous avez pensé au suicide? Non. Non. Vous n'avez jamais essayé? En fait, j'y ai pensé au moment que j'étais enceinte de ma fille, quand j'avais 17 ans et tout, mais j'ai pas... Passé à l'acte. Mais la tristesse, l'angoisse, toutes ces choses étaient en vous. Oui. En faisant les chaînes de prière de vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à force de persévérer, d'obéir à la parole de Dieu, et que tous les vendredis j'étais là, et que j'ai fait des propos, campagne d'Israël, et Dieu a enlevé la douleur que j'avais parce que j'avais une douleur, mais dans l'âme. Et que ça faisait tellement mal et tout. Et que même quand je priais, je n'écoutais pas vraiment la prière. Et que j'arrivais pas à me concentrer. Et que mes pensées divaguaient de partout. Et que je pensais à autre chose, à tout. Mais sauf à moi. À la prière qui était là. Ok. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez fait la chaîne de prière de vendredi, le mal qui était en vous, le mal spirituel, a été totalement arraché. Les choses ont commencé à changer et que j'étais pas triste et que je rigolais, mais pas juste pour montrer que je rigolais vraiment et que j'étais contente et que j'étais heureuse. Même quand la douleur elle est sortie et tout, j'étais comme un papillon et tout. J'étais, oh, c'est pas possible, je me sens tellement légère et tout. J'ai dit, waouh, c'était impressionnant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est une nouvelle vie qui commence. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle Andremen. Une nouvelle, oui. C'est ça? Oui. Et la présence de Dieu en vous, elle est en vous pour vous fortifier. Comment vous sentez? Je me sens complètement bien. Je suis heureuse et que quand quelqu'un me dit quelque chose, maintenant, je ne le prends pas pour moi-même et que je dis, bon, si ça peut m'aider, tant mieux. Mais si c'est pour m'atteindre, ça ne m'atteint plus. Ok. Vous voyez, mes amis, après 35 années de souffrance, lorsque la personne, elle fait sa part et elle participe
prochaine de prière de vendredi, alors la délivrance, elle peut s'accomplir et une nouvelle vie peut commencer. Et Madame Andromène, elle est le témoignage vivant de cela. Merci, que Dieu vous bénisse. Il existe 10 symptômes qui révèlent la présence d'une influence maligne dans la vie d'une personne. Nervosité. Peur permanente. Voir des ombres, entendre des voix. Évanouissement constant. Insomnie. Maladie inexpliquée. Addiction. Dépression. Envie de suicide. Si vous êtes victime de l'un de ces symptômes, participez aux réunions de délivrance spirituelle, chaque vendredi, dans tous nos centres d'accueil. N'hésitez pas à contacter l'AMI 24h, disponible 7 jours sur 7. Retrouvez plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr. Madame Andromène, qui a souffert pendant 35 années, e ele vient de nos raconter que son problème était espirituel. Espirituel. Comment quelqu'un qui souffre avec une douleur 35 années, qui a cherché les spécialistes, a cherché les médecins, e aucun de ces spécialistes et médecins a pu alors guérir Madame Andromène lorsqu'elle avait cette douleur? Parce que son problème n'était pas un problème que la main physique pouvait la résoudre. Le problème de Madame Andromène, c'était spirituel. Elle vient de dire qu'elle sentait une douleur là dans son âme. Une douleur qui venait de l'intérieur vers l'extérieur. Et peut-être vous avez une douleur. Une douleur que personne arrive à comprendre le pourquoi de cette souffrance. Le pourquoi vos pieds, comme je parlais tout à l'heure, courent vers le mal, courent vers le problème, courent vers le désespoir. Mais il y a un Dieu qui veut vous délivrer. Le même Dieu qui a délivré Madame Andromène, il veut aussi vous délivrer. Ou vous pensez que c'est au hasard que cette femme a été délivrée de ce problème, de cette situation qu'elle vivait 35 années? Ce n'est pas au hasard. Il y a une solution. Je vais afficher maintenant sur votre écran cette parole qui s'appelle opportunité. Vous qui m'entendez en ce moment, vous qui m'entendez en ce moment, vous qui nous regardez en cet instant, vous avez ce mot devant vous, opportunité. L'opportunité, madame et messieurs, de lutter en faveur de votre délivrance et avoir la délivrance. L'opportunité de mettre un point final à cette souffrance que peut-être ça fait déjà un moment que elle est dans votre vie. L'opportunité de pouvoir transformer votre famille, l'opportunité pour pouvoir changer votre situation. Mais attention, parfois la personne pense qu'en venant à l'église, c'est une espèce de magie qui va changer sa vie. Non, c'est pas la magie, c'est la persévérance, c'est la foi, c'est l'opportunité qui est donnée à la personne, qu'elle saisira cette opportunité et qu'elle mettra en pratique la parole du Seigneur, alors c'est de cette façon que notre vie change. Ce n'est pas une baguette magique, blam, 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 blam. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de cette façon.
Combien de temps Moïse il a dû aller en Égypte vers Pharaon pour pouvoir dire à Pharaon de laisser le peuple de Dieu s'en aller? Plusieurs fois. Dieu avait la capacité, il y a la capacité, le pouvoir de pouvoir alors faire l'impossible devenir possible sur place. Mais il a fallu que Moïse fasse plusieurs va-et-vient. Il a fallu que Moïse persévère, lutte à travers la foi pour pouvoir libérer le peuple du Seigneur de l'esclavage qu'ils ont vécu plus de 400 années. Alors, ce n'est pas au hasard que le témoignage de Madame Andromène, c'est un témoignage qui glorifie le nom du Seigneur. Une femme qui a vécu 35 ans avec une douleur dans son corps, mais que par la foi, elle a été délivrée. Vous qui nous regardez en ce moment, vous qui participez de cette émission en cet instant, vous aussi, vous avez la opportunité d'avoir un changement dans votre vie. L'opportunité que j'ai reçue, l'opportunité que tant de personnes ont reçue, vous avez aussi la même opportunité d'avoir la transformation dans votre vie. Nous allons d'ici à quelques instants accompagner le témoignage d'un jeune homme, Jérémie, et vous allez voir que Benjamin, hein? E vous allez voir que Dieu a transformé sa vie. Le Dieu qui a béni la vie de ce jeune homme, il va aussi transformer la situation de votre vie aussi. Peut-être vous avez des enfants e vous avez déjà laissé l'opportunité de lutter pour que vos enfants soient bénis passer devant vous. Peut-être vous avez eu tant des opportunités de lutter en faveur de votre délivrance, vous avez laissé ces opportunités passer inaperçues devant vous. Faites aujourd'hui, vendredi, faites aujourd'hui de cette journée, la journée que Dieu vous donne l'opportunité pour sortir d'où vous êtes, arriver au centre d'accueil universel, soit 7h, soit 10h, soit 15h, ou soit 19h, faites de la journée d'aujourd'hui l'opportunité que Dieu va vous montrer qu'il est avec vous et il va bénir votre situation. Nous vous attendons ici au centre d'accueil universel, nous sommes ici au 6, Morne Vergan, 97, 139, sur la route des abîmes. E que certa oportunidade que Deus vos dê, ela só a oportunidade para bénir a vous e toute votre famille. Pelé? Benjamin. Alors, Benjamin, quelle est la délivrance que l'Éternel vous a accordée? Alors, la délivrance que Dieu m'a accordée à travers la prière du vendredi, ça a été sur pas mal d'addictions que j'avais, qui ont commencé quand j'étais très jeune, en fait. Donc, j'avais des addictions à l'alcool, des addictions à la drogue, des addictions aussi à un comportement que j'avais qui était vraiment mauvais. Ça a commencé peut-être à partir du collège, parce qu'en fait après ça s'est envenimé, et en grandissant en fait il y a une autre addiction que j'ai commencé à développer, dont j'ai eu vraiment du mal à délivrer, c'est que j'avais beaucoup en fait de relations avec des femmes, vraiment beaucoup, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'église, j'ai rapidement été délivré de l'alcool, de la drogue, parce que ça je sais que lorsque j'ai compris qu'il fallait arrêter, à travers les chaînes de prière, les conseils, j'étais délivré. Vous avez commencé à quel âge? On va dire que vraiment, ma vie, elle a basculé à 15-16 ans, en fait. Vous avez commencé à vendre de la drogue, c'est aussi à consommer. C'est ça, parce qu'en fait, j'étais au lycée. Mm-hmm. À partir de là, vu que je ne savais plus trop quoi faire, j'ai commencé à traîner. Donc, j'ai commencé par la cigarette. Après la cigarette, je suis passé à la drogue, à consommer. J'en consommais tellement, en fait, qu'on m'a proposé d'en vendre pour pouvoir avoir des grandes quantités. Et ce que je ne vendais pas, en fait, c'était pour moi. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai consommé. Après, j'ai commencé. Et du coup, j'ai commencé après à aller en soirée, donc à beaucoup boire, à beaucoup fumer. Et c'est à travers ça que j'ai eu le... Qu'est-ce qui s'est engendré à l'intérieur de vous? Alors au tout début, lorsque j'ai commencé, c'était un peu un plaisir. Parce que de base, quand j'ai commencé de ça, j'étais un jeune très introverti. J'étais assez timide, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ça me permettait d'être vraiment accepté, en fait. Mmh. Ce qui fait que lorsque j'avais fumé, lorsque j'avais bu, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Donc les personnes avec qui j'étais pas forcément très à l'aise, ils m'appréciaient. Et vu que chez moi, ça se passait pas forcément très bien... Quand j'étais dehors, j'avais l'impression d'être, j'ai beaucoup d'amis, tout, je plais à tout le monde, etc. Ce qui fait que je consommais à chaque fois, en fait.
Et petit à petit, en fait, c'est devenu un vice, clairement, parce que j'arrivais plus à arrêter. J'arrivais plus à arrêter. Ça veut dire qu'il fallait absolument que je puisse fumer, que je puisse boire. Jusqu'à, je me souviens, des fois, j'étais chez moi, je sortais la nuit en cachette pour aller me cacher dans un arrêt de bus pour fumer, en fait, fumer de la drogue, parce que sinon, ça allait ça pas. Ça vous apportait une joie momentanée. C'est exactement ça. Et quel a été le fond du puits? Le fond du puits, je pense, ça a été peut-être quand je commençais à venir à l'église, mais je venais pas trop, quand j'ai pris la décision d'arrêter. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que ça dépendait pas vraiment de moi. Parce que tout le temps, je disais, oui, moi, je serais jamais accro. Les gens, je les voyais accro, je pouvais arrêter quand je voulais. Mais quand j'ai pris la décision et que j'ai vu que j'arrivais pas à arrêter, j'essayais, je pouvais tenir 1 mois, 2 mois. Mais il suffisait que j'ai une proposition, que je sois dans une situation où je retombais à chaque fois. C'est là où ça a été le pire. Parce que l'image, en fait, que j'avais moi-même de moi en voyant ça, c'était catastrophique. Je voyais vraiment que j'étais accro. Je faisais tout ce que je pouvais par moi-même, j'y arrivais pas. Et ça a été vraiment en venant à l'église, en ayant. Qui vous a invité à venir? Alors, initialement, ça a été mes parents. Donc, je venais avec mes parents, mais je venais vraiment de temps en temps. Et après, ça a été à travers un événement du groupe jeune, où j'ai pu voir, en fait, le travail de l'FGU. C'est ce qui m'a permis d'être un peu plus régulier, d'assister de plus en plus aux réunions. C'est ce qui m'a permis d'avoir ma délivrance. C'est là, vous avez pris une décision. C'est ça. Aussi participer aux prières de délivrance. C'est ça. Vous avez participé aux prières de délivrance. C'est ça. J'ai participé aux prières de délivrance. Mais avant d'être délivré de toutes ces addictions, j'ai été aussi délivré des attaques, parce que j'avais énormément d'attaques la nuit. Ah bon? Mais ça a commencé d'un coup, en fait, la première fois que j'ai voyagé au pays avec mes parents. C'était des attaques, c'était terrible. Je me levais la nuit, je sortais en courant de la maison, j'hurlais. J'ai mon père qui était obligé de dormir avec moi, en fait, carrément. Parce que sinon, c'était, je pouvais me lever, casser la porte, courir. Et le matin, je me souvenais de rien du tout. Et c'est ce qui a commencé un peu avant que j'arrive à l'église, du coup. Et c'est à travers ça, vraiment, mes parents, ils m'ont invité. Et j'ai pu venir à l'église et avoir ma délivrance. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est fini. Après avoir fait la chaîne des prières de vendredi, aujourd'hui, vous n'avez plus de vices? Non, plus du tout. Vous vendez plus de la drogue? Plus du tout. Vous ne dépendez plus de rien de cela? Non, plus du tout. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui, ça me dit plus rien. Ça me dit plus rien. J'ai même encore, du coup, les personnes que je fréquentais qui étaient dans ça, j'essaie même de leur donner des conseils, de les inviter à l'église, parce que je me rends vraiment compte que c'était à travers la manière, enfin, à travers le pouvoir de Dieu que j'étais délivré, parce que je sais que j'ai des personnes que je connais qui, ça fait des années, qui essaient de s'en sortir par eux-mêmes et qui sont tout le temps dedans, tout le temps dedans. Donc c'est maintenant, j'essaie de les inviter à l'église, de leur dire que voilà, Dieu peut nous délivrer de ça. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Ça va faire 3 ans ou 3 ans et demi que vraiment je viens régulièrement, que je participe aux chaînes de prière et que j'ai vu, en fait, cette transformation dans ma vie. Donc, dans 3 ans et demi, vous avez pris cette décision et Dieu vous a complètement délivré. C'est ça. Regardez la caméra et quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui peut-être vivent dans la même situation que vous viviez? Le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui vivent dans la situation que je vivais, c'est de pas s'exclure soi-même, en fait, de ce que Dieu nous propose. Parce que moi, c'est ce que je faisais au début, en fait. Quand on m'a invité à l'église, je me disais, non, c'est pas pour moi, j'ai fait trop de choses. Je me disais, je voyais les jeunes de l'église, je me disais, bon, peut-être que eux, ils méritent. Mais moi, vu ce que j'ai fait, vu le passé que j'ai, je m'excluais, en fait, moi-même de ce que Dieu proposait. Et c'est vraiment le conseil que je donnerais à un jeune qui passe par là, de croire que Dieu, il choisit tout le monde, en fait, que c'est possible, même pour les personnes qui pensent que c'est impossible pour eux, que Dieu peut aussi le faire. C'est possible parce que ça a été possible pour Benjamin. Aujourd'hui, il est ici et il témoigne la gloire de Dieu. Ça sera aussi possible pour vous, si vous croyez et que vous obéissez à la voix de Dieu, certainement, vous allez vous en sortir. Merci Benjamin pour votre témoignage. Merci. Un vêtement qui a disparu. Une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise. Une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur. Une de vos photos, trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin, face à la Brède, ou dans tous nos CAU d'hommes.